Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on va repartir sur le fameux concept des tier list hein, puisque je me suis remis à vouloir en faire hein, après avoir fait la tier list sur les Pokémon de la première génération au début du mois de mars hein, puisque je tourne ça fin mars, j'ai décidé de faire une tier list sur les Pokémon mais par type. Et en fait, je vais tout simplement aborder un type entier toutes les 2 semaines à partir de cette semaine-ci. Voici, alors voilà comment ça va se décomposer. Au début, donc du lundi au vendredi, je vais essayer de faire tenir ça sur 5 jours. Donc la tier list sur le type sera découpée comme ça, en 5. Et ensuite, samedi et dimanche, on fera 2 vidéos spécifiques. Samedi, où je donnerai mon classement des meilleurs Pokémon par type pour le type concerné, et à l'inverse, le dimanche, les pires Pokémon du type. Donc, ce qui signifie que le week-end, j'aborderai plus stratégiquement, si j'ose dire, le type dans son ensemble, ce que je pense de lui, mais on va aussi faire un constat, hein, tout simplement, du type en stratégie, ce qu'il vaut en lui-même. Et j'ai donc décidé de faire ça une fois toutes les 2 semaines, du coup, donc ça veut dire que. Après cette semaine, ce ne sera pas la semaine suivante, mais la semaine d'après où je ferai un autre type. Et à chaque fois, au début, il sera tiré au sort, mais plus on en aura fait, plus tirage, on n'aura pas, à la fin, il n'y aura pas de tirage hein, globalement, puisque ce sera le type qui reste, forcément. Il y a 18 types dans le jeu, vous le savez, avec le type fée depuis la 6e génération. Donc, une fois par semaine, donc ça veut dire 18 semaines. Avec un intervalle d'une semaine entre les deux parce que je vais continuer de diffuser l'autre contenu que j'ai l'habitude de diffuser d'ici là évidemment donc c'est pour ça que je laisse une intervalle d'une semaine entre les deux. Le premier type qui a été tiré au sort c'est le type roche. Le type roche c'est un type qui est bien connu en stratégie parce que quand tu commences notamment dans les jeux. On va dire certains jeux des premières générations, en première et en quatrième génération, le premier champion que tu croises, c'est le champion de type roche. Le type roche, c'est vu dès le début hein, comme étant un type assez fort. Hein. Alors je ne vais pas passer dans les détails pour ça, puisque c'est ce que je ferai ce week-end. Mais le type roche, hein, étant donné que il est super efficace sur des types que tu croises au début du jeu, genre les types vol, hein, les oiseaux, genre Roucoule, etc. Les types normales, tu as les fameux Rattata, machin chouette. Nidoran pour le type poison. Et si tu aimes, en général, c'est souvent le cas, le starter de type feu, vu que Dracaufeu est très populaire en première génération, ça m'étonne pas. Et du coup, il a une résistance au type feu, vol, normal et poison. C'est pour ça qu'on pense qu'il est extrêmement fort. Mais il faut noter que le type roche, c'est aussi un des types qui a le plus grand nombre de faiblesses du jeu. Hein. C'est un type qui est un des pires défensivement, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le meilleur type défensif du jeu, c'est le type acier, hein, pas le type roche, hein, évidemment. Et surtout, c'est un type qui est extrêmement orienté en stratégie. Ça veut dire que globalement, ils sont un peu tous orientés dans. Je parle des statistiques, hein, principalement stratégiques. Un peu tous pour être vus comme étant la même chose finalement. C'est-à-dire qu'ils sont tous basés sur le physique, hein, globalement. Le type roche, même quand les types étaient classés en fonction du physique ou du spécial, ça veut dire que si tu étais type roche, c'était que physique. Si tu étais par exemple type eau, c'était que spécial. Et même après, le type roche en lui-même a souvent été que physique. Il y a très rarement de Pokémon de type roche qui tapent sur le spécial. Évidemment, il y en a, mais c'est très très rare et en général, ils sont vraiment physiques. Donc c'est pour ça, c'est un type tellement orienté, presque tellement unilatéral. Que ça a souvent restreint les Pokémon de type roche pour ça, parce que tu peux quasiment pas les jouer dans autre chose que ce qu'ils peuvent faire, que ce soit en termes de statistiques ou en termes d'utilisation. Et c'est pour ça que il y a très peu de Pokémon de type roche qui sont bons globalement en combat et utilisés en stratégie. En overuse d'un ou on va dire à des tiers limitant enfin, autour de l'overuse, donc globalement l'underused. Ou d'autres trucs comme ça, tu vas très rarement croiser un Pokémon de type roche, hein, à part le roi fameux Tyranocif, mais ça, on n'en parlera pas pour l'instant. Là, dans cette vidéo, je vais commencer la tier list sur les Pokémon de type roche. Donc, c'est mon avis sur le type, c'est mon bagage, c'est ce que je pense de ces Pokémon-là. Voilà, hein, ne le prenez pas pour vous si je n'ai pas dit qu'un Pokémon untel, c'est un. Si c'est pas un Pokémon que vous préférez,
mais que moi je n'apprécie pas forcément, voilà, ne me tirez pas une balle dans le pied, ce n'est que mon avis. Merci par avance pour ça. Alors, des Pokémon de type roche, si on compte les pré-évolutions, les méga, etc., il y a 73 Pokémon de type roche dans le jeu. Donc, c'est un nombre de Pokémon qui est moyen. C'est évidemment pas le plus répandu en comparé à d'autres types. Mais il y en a eu de quelques-uns à chaque génération. Et à chaque génération, il y a toujours eu un peu le type roche signature d'une génération, globalement. Donc, c'est un type qui est représenté à chaque fois. Hein, voilà. Alors, le type roche, surtout, hein, il faut noter que à ses débuts, le type roche était, on va dire, beaucoup plus fort parce qu'il pouvait résister au type normal, hein, et au fameux Tauros en première génération, au fameux Ronflex en deuxième génération. C'était un des rares types qui pouvait résister au type normal qui était plus fort au début. Donc. Mais après, avec les générations, bah, ça reste un type qui a beaucoup de faiblesses. Et vu que le metagame s'est enrichi en Pokémon avec les faiblesses qu'il a, et ben, c'est pour ça qu'avec le temps, il est devenu beaucoup moins bon. On commence tout de suite mon blablatage. Voilà, il faut bien l'arrêter à un moment donné. Il faut plutôt blablater sur les Pokémon. Donc, on va essayer de faire ça en 5 parties. Donc, je ne sais pas si ça va tenir. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc, à chaque fois, je vais partir sur une analyse du design et de la stratégie. Je commence l'un après l'autre. Donc, voilà, c'est vraiment un consensus entre les deux. Hein, ce n'est pas uniquement la stratégie. Et sur les deux vidéos du week-end, là, ce sera que stratégique. On commence tout d'abord, alors je ne sais pas si ça on peut le compter vraiment, mais bah, il est type roche quand c'est le cas. Arceus roche. Alors Arceus, hein, c'est le fameux Pokémon fabuleux de la quatrième génération et qui, on peut le dire, hein, je pense sans vraiment de débat, un des meilleurs Pokémon du jeu. C'est le seul Pokémon fabuleux qui a atteint un total de statistiques supérieur à 600. Il a 720 de base statistique, il a des statistiques parfaites partout. C'est presque, je pense qu'on peut argumenter, mais en termes de total de base statistique, c'est celui qui a la répartition la plus parfaite du jeu. Parce qu'il n'y a aucun autre Pokémon qui a 720 de base stats comme ça et d'aussi bonnes stats partout. En fait, peu importe où tu joueras Arceus, ce sera toujours très très bon. En lui-même, le Pokémon est excellent. Et puis surtout dans Légende Pokémon Arceus, hein, un jeu sorti récemment, ils lui ont donné une plaque hein, complètement abusée, la fameuse plaque Légende. Hein, qui lui donne un excellent type, hein, que ce soit offensivement et défensivement, qui le rend là, par contre, comme si jamais c'est un objet qui devait être utilisé sur le jeu officiel, ce serait vraiment le Pokémon le plus fort du jeu. En tout cas, même sans ça, il est déjà extrêmement fort. Hein. On connaît Arceus, hein, il a un move pool extrêmement large qui lui permet de faire énormément de choses. Alors, il n'est pas revenu hein, dans Pokémon Épée et Bouclier, c'est pour ça que j'ai pas le détail, mais ici. Bah, on a vraiment la représentation du Moonpool d'Arceus. Il peut faire énormément de choses. C'est un des Pokémon les plus versatiles du jeu également. Hein. Il a du soin, il peut poser des pièges de roc, il a des attaques de coverage en long, en large et en travers. Il a des moves de setup comme on en souhaite. Enfin, il a Dance Slam, etc. Plénitude, bref. Sur le spécial, sur le physique, offensivement, tu peux faire ce que tu veux. Au niveau du bulk, il a un des meilleurs bulks du jeu de très très loin. Bref, plein de choses à faire avec Arceus, on le connaît très très bien. Par contre, son type, du coup, bah, en fonction de la plaque que tu lui mets, tu lui changes également son type. Et là, on parle d'un Arceus où on lui mettrait donc la fameuse plaque roche. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est plaque roc, il me semble, cet objet, pour le faire passer de type roche. Et est-ce que c'est utile? Alors, en termes de design, bah, ça ne change pas vraiment, parce que ça reste Arceus. Ce Pokémon, en soi, je le trouve très stylé, hein, évidemment. C'est un des Pokémon les plus stylés du jeu, il n'y a pas vraiment de débat, mais on est obligé, vu qu'on parle d'Arceus, un des meilleurs Pokémon du jeu, de plus le parler niveau stratégique, parce que c'est ça qui, en fait, la comparaison entre les différentes formes d'Arceus en fonction du type, eh ben, c'est ça qui démontre quel est le Arceus meilleur que les autres. Et quand tu le passes de type roche, bah, tu l'affaiblis en fait, parce que le type roche, eh ben, ça lui rajoute un type mauvais en fait, de base de type normal. Est presque mieux que le type roche parce qu'au moins il n'a pas autant de faiblesses. Alors le type normal est mauvais de base, mais il faut bien comprendre que pour qu'il ait le type roche et en jouant Arceus roche, il faut obligatoirement lui mettre la plaque roche. Donc tu peux même pas le jouer avec un autre objet que ça si tu veux qu'il soit de type roche. Et en plus, c'est pour lui donner un type qui est vraiment mauvais, hein. Et que tu lui voyais les faiblesses que ça lui donne, c'est quand même trop. Donc là, je vais être vraiment beaucoup plus du côté de la stratégie. Je trouve que pour moi, c'est OSEF comme Arceus parce que bah,
Quel intérêt de jouer un Arceus de type roche, donc un Arceus avec un type qui va l'handicaper plutôt qu'autre chose, alors que de base le Pokémon est tellement stylé que tu préfères largement le jouer avec un autre type. Si jamais tu veux lui faire changer de type, cela va sans dire. Ensuite, alors là, deux Pokémon que j'aime beaucoup, Loup-Garrokh. Alors il y a deux Loup-Garrokh ici, parce que Loup-Garrokh, hein, vous savez qu'il a trois formes en fonction du moment de la journée où il évolue, en fait, ce fameux Rocabo, voilà, je cherchais le nom, et ben vous n'allez pas avoir le même Loup-Garrokh. Hein. Si c'est deux jours, je crois que c'est le Loup-Garrokh diurne, je crois que c'est diurne en français. Le Dusk, donc c'est le Loup-Garrokh crépusculaire, celui-là c'est le plus beau. Avec, ah oui, il est super stylé. Celui-là, il y a une certaine période de la soirée, donc c'est au moment du crépuscule. Le crépuscule, c'est au moment où le soleil se couche, donc c'est entre 18h et 20h, à peu de choses près. Et la nuit, vous avez le Loup-Garrokh, je sais plus, nocturne, ouais, il s'appelle en français. Alors, bah, le Loup-Garrokh, là, il n'y a pas le Loup-Garrokh nocturne, hein, il ne montre que les deux premières formes. Je sais, ils ont dû. L'autre, elle est où? D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas mise. Il y a Rocabo ici. Ah, ils les ont pas mis ensemble. C'est bizarrement trié ça. Enfin bon. Il est là, il est là. Ah d'accord. Ok. Bah ça tombe bien. On va les mettre ensemble. Sinon ça c'est un peu nul. C'est un peu inutile. Alors Rocabo c'est un Pokémon très mignon. Moi j'aime beaucoup Rocabo. J'ai toujours apprécié ce Pokémon. C'est vrai que je joue pas, je le prends pas systématiquement en combat parce qu'il a un type roche pur. Mais Rocabo, moi c'est très cool, très stylé parce qu'il est mignon. Et puis j'aime bien. J'aime bien le design de ce Pokémon. Les deux autres, à part, il n'y a que la forme nocturne qui est moins bonne que les autres parce qu'elle est un peu plus lente. Alors que les deux. Pourtant, le Moufoule est pas mauvais hein, parce que c'est un Moufoule qui est globalement bien adapté à un type roche offensif. Il y a globalement un peu ce qu'il veut, mais en général, tu vas préférer les autres. Alors, c'est vrai qu'il est un peu limité hein, sur certaines options. En général, tu préfères toujours jouer les deux autres formes de Loup-Garrokh. Après, il est pas moche en design. Hein, il est plutôt stylé par contre en design. C'est vrai que sous une forme nocturne, bah t'as vraiment l'esprit loup-garou finalement. Et ça, c'est stylé par contre. Je pense qu'on va mettre du moyen tiers parce que son design me fait aimer un peu le Pokémon. Donc voilà. Par contre, les deux autres, je pense que ça va être parmi mes préférés de type roche. Hein, je pense de loin. Pourtant, c'est des Pokémon que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer, mais je trouve qu'ils sont extrêmement stylés et qu'ils ont vraiment un bon potentiel en stratégie. Si on regarde un petit peu au niveau des tiers, ils sont pas si mal que ça. Hein, lui, il est rarely used. Hein, vous voyez, c'est pas si mauvais non plus. Et lui, bon, lui, il est un peu plus, il est un tout petit peu plus mauvais, mais en vrai, il est quand même assez stylé. Bon, c'est sûr que la forme crépusculaire en design est légèrement mieux parce que je trouve que ça ressort mieux avec les yeux verts. Le corps avec la couleur qui ressort un peu plus. Globalement, ces deux Pokémon, enfin, je les aime tous les deux. Après, peut-être que c'est peut-être au niveau des talents hein, que c'est un peu plus moyen parce que Griffdur, bah, ça apporte plus. En plus, ils ont une attaque. Ils sont les seuls à avoir la priorité de type roche, hein, Vifrock aussi. Et puis le Moufoule offensif est très intéressant. Ah, c'est vrai, ils ont pas énormément d'options, mais c'est quand même plutôt mal. Je crois qu'ils gagnent Close Combat aussi en 8G, il me semble. S'ils ont pas, oui, ils ont eu Close Combat, donc ils ont eu une très bonne attaque de coverage par derrière. Vraiment, je les aime beaucoup, ces Pokémon, ça va. Alors, Sylvalier de type roche, c'est un peu la même chose. Alors, après, Sylvalier, je le trouve moins stylé qu'Arceus, mais c'est un peu vu comme une sorte de mini-Arceus, c'est-à-dire que c'est pareil, si tu lui mets une ROM. En fonction du type que tu veux mettre à Sylvalier, bah, il changera de type comme Arceus finalement. Alors Sylvalier, c'est un Pokémon. Alors on va aller sur Smogon. On va prendre directement la forme concernée. Alors le truc, c'est que c'est un Pokémon qui est très cool à jouer. Et pareil, il est versatile sur ses options de placement. Il peut être joué physique ou spécial. Il a un bulk qui est très équilibré et bon. Pratiquement 100 partout, mais quand tu es en dessous des bases 100, bah en général c'est un peu moyen, c'est-à-dire qu'il t'a pas extrêmement fort non plus, il n'est pas extrêmement rapide non plus. Voilà, son speed tier est limité, puis la puissance des Pokémon qu'il y a autour sont plus fortes, mais encore une fois, le problème reste le même, c'est que son type, bah, il est moyen en fait, hein. À part si tu veux. Je vois pas pourquoi tu jouerais un Sylveon de type roche alors qu'il va y avoir un Sylveon de type meilleur, hein, genre type acier ou quoi. Le type roche va nerf ce Pokémon, déjà qu'il est très mal classé. Hein. Sylvalier, on a toujours cru qu'il allait être très bien classé, mais en fait, il est déjà. Je crois qu'il est zédu, hein, ce Pokémon maintenant. Ouais, il est zédu, hein, vous voyez. Alors, si vous, en plus, vous lui mettez un type mauvais,
Non, c'est pas bon, c'est pas bon, évidemment. D'ailleurs, hein, on peut même regarder, hein, parce que je me suis préparé un petit peu les statistiques ici. Et si on regarde un petit peu, donc là, il s'appelle Silvali. Alors, je sais pas si on va le trouver. Normalement, oui. Hein. Électrique, psy, feu, vol, roche. Il est 148e, vous voyez? Tout en bas, hein. Il est vraiment pratiquement jamais joué, hein, cette forme de Sylvalier. Mais après, le Pokémon en lui-même est pas moche, hein, on est d'accord, mais c'est osef parce que bah pourquoi jouer un type proche sur ce truc alors que c'est pas utile? Voilà, c'est clairement ça. Alors, on a ensuite Météno. Météno, c'est Mignore, je crois, en français. Mignore, c'est un Pokémon qui est très original, honnêtement. Je trouve que c'est un des Pokémon de type proche les plus original, même un des Pokémon par extension les plus originaux du jeu. Parce que bah, il a une forme qui change en fonction des dégâts qu'il prend. Il a un type qui est intéressant, alors qu'il a beaucoup de faiblesses, hein, mais c'est le type de Ptera. Rocher Vol, c'est pas si mal que ça en vrai. Hein. Ça annule la faiblesse au type sol du type proche notamment. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Et il a des résistances, même si certaines sont moins utilisables. Bon, c'est vrai qu'il tape pas extrêmement fort, mais il a l'accès à Exuviation et derrière il peut mettre de sacrés dégâts, sachant qu'il a une excellente vitesse en plus de ça. Il n'a pas un move pool si large que ça, on voit qu'il est quand même assez restreint, mais globalement il est capable d'être assez utile ce Pokémon. Je l'ai déjà joué, j'ai pas été très mécontent. Et puis surtout, si jamais tu le joues avec Acrobatie, que tu places ton Shell Smash, que tu utilises l'air pour te restaurer tes stats et que derrière. Bah, tu utilises ton tap parce que Acrobatie ça tape plus fort quand t'as pas d'objet. Et comme ça passe donc à 110 et t'as le stab dessus. Et en plus tu t'es boosté avec Shell Smash et tu t'es restauré tes stats. Donc franchement, il peut être très fort. Hein. Il peut être dangereux ce Pokémon. Faut pas le sous-estimer. Et puis il est never use. Hein. Il n'est pas non plus si bas que ça. Moi j'aime beaucoup ce Pokémon. C'est pas mes préférés, mais je note quand même que c'est une très bonne appréciation. D'ailleurs, on va mettre les deux formes hein, dans très cool, très stylé. Je pense que c'est un peu l'idée. Alors ensuite, Amahama, donc là on part sur une Ultra Chimère de la 7ème génération. Et pareil, c'est un Pokémon que je trouve très intéressant. Alors très intéressant que ce soit en design ou en stratégie, même si son type il n'est pas terrible. Hein. Rochasser ça paraît fort sur le papier, mais c'est pas très bon parce que ça lui donne des doubles faiblesses qui sont extrêmement courantes au type combat et au type sol. Il a aussi une faiblesse au type eau, mais derrière il a quand même des stats très intéressantes. Alors c'est un des Pokémon les plus lents du jeu, oui, mais il peut poser la distorsion lui-même, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Pokémon, surtout de type roche. Et puis sans ça, il a une gyro-ball qui fait extrêmement mal en étant stabé. Il a une des plus grosses défenses du jeu, il tape fort, il a une plutôt bonne défense spéciale, ce qui n'est pas le cas de tous les types proches. Il est très intéressant, puis surtout il a son talent boost chimère, hein, donc tu peux lui booster la stat que tu veux en fonction de ta répartition. Et puis je le trouve très rigolo ce Pokémon, il est très original dans sa forme. Alors c'est pas un Pokémon, je suis en mode waouh, il est magnifique, on est d'accord, mais je trouve qu'il y a un potentiel au moins dans le design, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, ça va être très cool, très stylé. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Ensuite, nous avons. Alors, ça, ils vont ensemble, les deux. Ça c'est des fossiles. Ça, c'est Amagara et Dragmara. Je sais plus comment ils s'appellent. C'est Aurorus, je crois. L'Evo. Je crois que l'Evo, c'est Aurorus. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ce Pokémon-là. Alors, en design, les deux sont très beaux. Hein. C'est un des plus beaux. Je pense que